la région, vous le savez peut-être, est en bout de ligne. Elle est donc menacée de coupure en cas de surconsommation. Alors après les particuliers, on a incité les entreprises à stopper leur production en cas d'alerte. Elles sont même rémunérées pour cela. L'enquête est signée Romuald Bonan et Michel Vert. Des dizaines de milliers de foyers brutalement privés d'électricité. Des feux de circulation, des éclairages publics qui s'arrêtent soudainement, c'est le blackout. La pire des craintes pour RTE. Alors depuis quelques mois, une expérimentation régionale est en cours en Bretagne pour éviter la rupture du réseau. En consommant moins, et c'est aux industriels qu'on le demande. Comme ici dans cette coopérative bretonne, spécialisée dans la fabrication d'aliments pour le bétail. Dès que l'ordre lui est donné, certains de ses équipements sont coupés. Nous tenons vraiment à ce que le réseau breton ne s'effondre pas, parce que nous avons d'autres sites industriels qui dépendent aussi du réseau EDF. Et donc là, c'est une idée de maintien du réseau. Une solidarité que joue aussi cette usine de traitement d'eau qui alimente 180 000 habitants de l'agglomération rennaise.